22 millions de personnes s'investissent aujourd'hui bénévolement dans tout un tas d'activités en France. On les retrouve dans les associations, dans les mutuelles, dans les syndicats, mais aussi dans les partis politiques. Aujourd'hui, alors qu'on parle de fatigue démocratique, en réalité, sans doute que ce n'est qu'une fatigue envers les institutions, parce que toutes ces personnes, ces 22 millions de personnes, elles restent profondément et passionnément engagées dans la vie de la société. Créer un nouveau droit interprofessionnel en direction des organisations syndicales de salariés comme patronales afin qu'elles puissent agir en territoire. Former de nouveaux responsables associatifs, reconnaître la formation qu'ils acquièrent et les compétences informelles qu'ils acquièrent par l'engagement et puis intégrer ces compétences et cette reconnaissance dans leur parcours de vie global. Ne pas conditionner les minima sociaux à l'exercice d'une activité bénévole, notamment en territoire. Mettre en place des indicateurs non monétaires afin de reconnaître pleinement l'engagement bénévole. Après les discussions autour du contrat d'engagement républicain, on avait besoin de redonner confiance aux bénévoles dans l'autorité administrative et dans l'état de droit. Aussi, nous proposons d'instaurer une procédure préalable de médiation auprès des associations.